tard, mais 15 plus tard, j'ai pas toujours eu la réponse. Présent. Objection. Je demande la remise de la proposition du procureur jusqu'à ce que ma requête sera prise en considération. J'ai déposé une requête et je veux qu'elle sera très reçue. Oui, la requête qui s'est déposée avec le procureur général sur les constitutionnalités. Oui, c'était déposé comme il faut. Et comme j'ai mentionné un peu à M. Thibault-Jolin, le cours ne s'occupe pas de questions théoriques, ça serait mal employé le terme judiciaire. Alors, le retrait qu'il est demandé amène un acquittement. Alors, il n'y a rien de mieux dans le processus qui peut vous arriver, M. Weisberg, qu'un acquittement. Alors, demande, elle est théorique, la poursuite retire l'accusation. Okay. J'ai compris. Alors, il y a une proposition de retirer l'accusation. Alors, c'est une demande. Hein. Alors, le juge doit répondre à cette motion. Ce n'est pas encore archivé. Alors, moi, je demande que cette proposition sera mise en remise jusqu'au que ma requête sur l'inconstitutionnalité de le règlement P6.1 sera pris en considération, sera reçu. C'était déposé comme il faut. Alors, vous pouvez le recevoir et prendre une décision sur la quittance par après, si vous voulez. Ou sinon. Alors, c'est à vous à choisir. Alors, moi, je fais une bonne objection, comme il faut. Et c'est à vous à décider si ma requête sera reçu, oui ou non, et je propose que ce qui est déposé avec le procureur général, qui est déjà déposé par le club, il n'y a pas de réflexion sur le dépôt de ma requête sur les constitutionnalités. Alors, je pense que vous êtes dans l'obligation de recevoir ma requête sur l'inconstitutionnalité et accéder à mon objection à cette fois-là. Oui. Demande de remise, les motifs que vous avez évoqués. Je me prononce sur votre demande d'inconstitutionnalité du règlement P6. Donc, c'est la demande de remise de la demande de retrait. Donc, je me prononce sur la constitutionnalité du règlement P6. Sur ma requête. Oui, je vais les rejeter parce que ça devient purement académique et une mauvaise appropriation des temps judiciaires. Très rare et précis. Alors, le retrait est autorisé et M. Weisberg, vous avez besoin de vous acquitter de l'infraction pour votre prochain. Si on prend en considération le temps de la cour, alors pourquoi on ne prend pas en considération le temps de défendant? Alors, ça, ce n'est pas pris en considération. Alors, il n'y a pas de. C'est pas une raison équitable. Je vais faire une objection. Mais là, le conducteur est rendu. Je sais. Mais pourquoi
pourquoi il y a des gens qui doivent être ici présents, qui ne sont pas permis d'entrer dans la bâtisse. J'ai reçu des informations maintenant qu'il y a des gens qui restent en dehors de la bâtisse encore, qui demandent d'entrer ici comme il faut. Alors, ils sont empêchés d'entrer ici. Et je demande à leur nom qu'ils aient permis d'entrer ici dans la bâtisse pour ici être présents comme il faut. Il y a beaucoup de monde qui a été convoqué, qui a été annoncé comme pas présent, mais ce n'est pas vrai. Ce que je pense, c'est qu'il y a des gens qui n'étaient pas présents. Ce n'est pas nécessairement le cas. Alors, il y a des gens qui ne sont pas laissés entrer ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et puis aussi, si on va toucher la partie de
Vous le verrez, s'il vous plaît. On est des dangereux criminels ou quoi? Pas la question, madame. Vous arrêtez pas, on va donner un billet pour le domaine. On fait un manette maintenant. C'est pas ça, tu vas te créer des problèmes pour rien. Regarde, ça se passe super bien avec ta cause déjà, là. Arrête, on n'aurait jamais dû avoir la cause qu'on avait, qu'on a gaspillé des heures, On fait un manette dans le grand d'accord. Mon Dieu, il est venu moi. Il a dit qu'il ne pouvait avoir reçu ma requête, mais c'est purement académique.